catch 'em all. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Alors pour ce glitch, j'ai encore un glitch en multijoueur, alors là c'est sur la map Arsenal. Donc vous allez devoir vous rendre contre moi, comme moi dans la vidéo. Alors contre le mur derrière vous, vous allez devoir vous caler. Visez à peu près la taille des fleurs. Voilà, et là vous allez être derrière. Donc vous visez, vous tirez, vous décalez, vous faites option et de la merde. Comme le glitch de Grind. Mais bon, je vais vous le refaire voir pour que vous le fassiez. Donc je vais me suicider. Donc là c'est assez stylé, j'avoue, ce glitch est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pourrez tirer à travers, mais vous pourrez aller encore plus loin et tout. Là c'est vraiment aller sous la map. Tirez avant de marcher, parce que sinon vous pourrez crever, parce que des fois il y a des faux sols et du coup vous pouvez passer à travers. Et donc voilà, donc là je vais le refaire. Donc vous allez devoir vous caler contre le mur, viser, faut que votre vue soit vraiment sur le côté, bien parallèle et tout. Donc il est un peu chauffeur, je le fais en 5 fois parce que je l'ai rassé en un coup. Là, vous calez contre le mur, hop, oh merde, hop, voilà, là, vous faites comme ça, vous visez, voilà, le tableau, là, vous voyez de travers, vous décalez, vous faites option, vous faites de la merde, et vous y êtes dans le glitch, donc ça, c'est what the fuck. Alors, pour continuer le glitch, vous devrez viser là-bas, voilà, ici, là, maintenant, vous y êtes, faites gaffe, parce que sinon, vous pouvez taper dans un faux mur invisible, et du coup, vous tomberez dans le vide. Donc, essayez de trouver des nouveaux glitchs, maintenant que vous êtes ici, vous pourrez tirer à travers et tout, sauf que là, on peut pas tirer là. Ça vous trouver un peu. Bon, il est pas mal. Hein. Donc là, je vais vous faire voir un autre endroit où vous pourrez aller. Donc voilà, ça va être vraiment trop stylé et tout. Ouais, je peux essayer là. Il faudrait que j'essaie. Parce qu'il y a des endroits où quand il y a des vides, vous pouvez tirer. Quand il y a une différence de niveau. Surtout quand ça se quand je trouve les glitches. Donc là-bas, vous voyez le truc bleu là qui clignote. Une fois qu'il arrête de clignoter, essayez de le viser. Donc là, je regarde le bon. Ça, quand il arrête de clignoter, essayez de le viser et vous pourrez aller dessus, mais c'est un peu chaud à faire parce que vous allez devoir faire un saut là. Voilà, là vous allez devoir sauter. Timing, faut vraiment le timing. Vous n'avez pas de timing, vous êtes dans la mouise. Après, là voilà. Donc là, vous voir les machines et tout, c'est un peu what the fuck, trop stylé et tout. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Ah oui, ouais. Après, là, vous pouvez viser le mur blanc. Non, en fait, faut juste viser un tout petit peu au-dessus du mur blanc que là, vous voyez. Voilà, dans le vide, à peu près. Et hop, là, vous êtes sur une sorte de mur invisible. Donc, vous continuez le long. Et là, vous pourrez rentrer ici. C'est what the fuck dessous. Il y a tous les bureaux et tout. Et faites gaffe parce que vous pouvez mourir dans certains trous. Il y en a un. Et après, je sais qu'en bout d'un moment, vous pouvez vous laisser tomber dans un trou. Et faire monter dessus. Vous serez dans une sorte de nouvelle pièce un peu invisible que personne connaît. Voilà, ici, what the fuck, vous voyez, ça a tout changé, tout le décor, et il y a un endroit où vous pouvez tirer ici. Donc moi les gars, sur ce, donc attendez, d'abord on va regarder l'endroit où on peut tirer. Voilà, c'est là où je suis mort. Voilà, donc c'est là. Donc c'est là où on peut tirer. Donc c'est voilà. Bon les gars, sur ce, je vous dis ciao tout le monde, bonne vidéo, et ciao tout le monde, et bon game.